Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel où je vais vous apprendre à peindre les guerriers Saurus pour les Séraphons à Age of Sigmar. On va commencer avec une couche de base de Cantor Blue, je la fais à l'aérographe mais vous pouvez tout à fait la faire au pinceau si vous n'en avez pas. Ensuite, encore à l'aérographe, je vais assombrir avec du Léviadon Blue, c'est une peinture contraste. Vous pouvez le faire avec un pinceau sans trop de soucis en passant par en dessous, ça prend juste plus de temps. Ensuite, en éclaircie zénitale, c'est-à-dire par-dessus, avec l'aérographe, je vais faire un éclairci de la peau avec de l'Aletok Blue. Si vous n'avez pas d'aérographe, vous pouvez tout à fait faire un brossage à sec, exactement comme la prochaine étape que j'ai fait en brossage à sec, mais avec de l'Aletok Blue. Prochaine étape de bleu, avant on a encore de l'aéro à faire. Ensuite, avec de l'Ion Rack Skin, je vais faire l'intérieur du Saurus. Si vous n'avez pas d'aérographe, vous pouvez tout à fait le faire au pinceau et essayer autant que faire se peut de lisser les transitions entre le bleu et l'Ion Rack. Ensuite, je vais éclaircir l'Ion Rack avec du Deep Skin Flesh, toujours à l'aérographe pour aller plus vite. Ensuite, avec du Neutral Grey de chez Valero, je vais peindre tout ce qui est en pierre, à savoir toutes leurs armes et la bannière. Si comme moi vous peignez à l'aérographe, quelques masses pourraient être compliquées et pour ça je vous invite à masquer tout ça avec un petit peu de sopalin ou autre. Ensuite, toujours à l'aérographe, j'assombris avec du Dark Grey de chez Valero. On a fini avec l'aérographe pour le moment, on va passer en brossage à sec de OS Blue sur toute la carapace bleue en zénithal, c'est-à-dire tout ce qui est visible depuis le dessus. Ensuite, on fait un autre brossage à sec pour encore plus rehausser la couleur avec du Blue Aurore. Ensuite, un brossage à sec toujours avec du Blue Grey Pale de chez Valero, on va venir brosser toutes les parties en pierre. Ensuite, on passe aux couches de base et avec du Rhinox Hide, je vais peindre toutes les lanières qui tiennent leurs petits ornements ou alors leurs pièces d'armure. On en arrive maintenant à peindre l'or que je vais baser en Retributor Armor. Ensuite, je vais baser en Corne Red les langues, en Zandri Dust les dents et en blanc les yeux, avec du White de chez Valero. We'll be right back.
va maintenant assombrir l'or avec du Rake Long Play Shade que je vais appliquer généreusement sur l'entièreté de l'or. Le Rake Long Play Shade est sec, avec un mélange à 50-50 de Stormhost Silver et de Retributor Armor, je viens éclaircir tout ça. Si vous n'avez pas envie de mélanger, vous pouvez utiliser du Liberator Gold à la place. Les éclaircies se font majoritairement sur ce qui est visible en zénithal, c'est-à-dire depuis le dessus. Ensuite, avec du Scrag Brown, je vais éclaircir la peau du tambour en faisant plusieurs passages comme ça pour représenter l'usure qui est faite en tapant dessus pour faire de la musique. Juste après ça, avec du Tusker Fur, je vais éclaircir toutes les lanières de cuir qu'on a avant fait en Rhinox Hide. Et juste après, avec du Thunderhawk Blue, je peindrai les petites plumes qui sont accrochées sur le tambour. Les Horus pas assez contrastés, alors j'ai avec l'aérographe rajouté un peu de contraste au niveau de la colonne vertébrale et du dessus de leur tête avec du Leviadon Blue de Contraste chez Citadel. Vous pouvez tout à fait le faire au pinceau, il n'y a aucun souci, ça va juste plus vite à l'aérographe. Si vous le faites au pinceau, attention à ne pas trop en mettre pour pas que ça aille partout, c'est vraiment histoire de teinter et d'assombrir plutôt que de peindre réellement avec du Leviadon Blue. Ensuite, parce que je les avais laissés de côté tout ce temps-là, je vais baser en Retributor Armor les boucliers avec l'aérographe, surtout pour aller plus vite, vous pouvez tout à fait le faire au pinceau. Juste après, avec toujours l'aérographe, je vais l'assombrir au Rake Long Play Shade directement, quitte à avoir l'aérographe, autant en profiter. Et ensuite, je le passerai directement entièrement au pinceau avec du Rake Long Play Shade. Le petit coup en nadiral, c'est l'inverse de zénithal, donc c'est-à-dire par en dessous avec l'aérographe pour le Rake Long Play Shade, c'est juste pour rajouter un peu de teinte, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, si vous ne faites pas, c'est pas grave. Ensuite, toujours avec mon mélange à 50-50 de Retributor Armor et de Storm Host Silver, ou alors vous pouvez utiliser du Liberator Gold, je viens éclaircir les boucliers. Et voilà, c'est terminé, il vous restera plus qu'à faire le socle selon vos préférences et vos Saurus guerriers seront enfin terminés. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Prenez soin de vous, abonnez-vous et à bientôt! Ciao ciao!